Good morgen, allez, iden les sutres aujourd'hui, les lunishmat dov ben yudit et viataraman ben chedva yakov ben aisha, chayester bat miriam et trek perez ben fortuna. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez le sacrement éternel. Nous étudions le sacrement shabbat perigvav et mishnahe. Yotza isha bechute sehar ben michela ben michel chaverta ben michel behema. Uvetote fet uvesanbutin bizman shehen tfurin. בקבול ובפה נוכרית לחצר, במוח שבאוזנה, ובמוח שבסנדלה, ובמוח שתקינה לנידתה, בפלפל ובגרגר מלח, ובכל דבר שתיתן לתוך פיה. בלבד שלא תיתן לחתחילה בשבת. ואם נפל לא תחזיר שן תותבת ושן של זהב, רבי מתיר וחכמים עושים. On continue donc à découvrir. Quelles sont les choses que l'on peut porter sur soi lorsqu'on sort Shabbat dans la voie publique? D'accord? Parce qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a des choses qu'on considère que ce ne sont pas des vêtements, mais c'est plutôt une charge que l'on porte sur soi, donc il y a un interdit sur ça. Il y a des fois d'autres choses qu'on a peur qu'ils vont te tomber machinalement, que tu vas les porter avec toi. Ça, c'est un interdit minérabanan. Il y a encore d'autres. Pour rappel, maintenant, on avait vu dans la première Mishnah. On avait vu, en l'occurrence, une femme qui, pour s'attacher les cheveux, se les tressait. Elle mettait dedans des fils et elle se serrait les cheveux. J'imagine c'est pour faire une coiffe, un peu un chignon qui montait, quelque chose comme ça. On a vu qu'elle ne pouvait pas le faire, de peur qu'elle va avoir l'occasion de se tremper au mikvé et qu'elle va les retirer alors qu'elle sera encore dans la voie publique et qu'elle va marcher dans la rue, étant donné qu'elle ne peut pas se tremper avec ses fils. Et sur ça, la Mishnah maintenant commence en disant Yotza Isha Bechute Sehar Ben Mish. Alors, d'abord j'explique. Yotza Isha Bechute Sehar, une femme peut sortir avec des fils de cheveux. C'est-à-dire, le même principe. Pour se faire son chignon, elle utilise elle peut utiliser soit des fils, soit utiliser des fils en tresse, en cheveux. D'accord? Des faux cheveux, comme on fait des perruques. Et la Mishnah me dit ben, tu sais, je t'avais interdit. Dans la Mishnah Aleph, d'utiliser des fils de laine ou de lin. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des problèmes de khatissa, si elle veut se tromper au mikvé, elle va devoir retirer ses fils. Et maintenant, il est possible qu'elle va se faire retirer ses fils à quelques mètres avant d'aller se tremper. D'accord? Et du coup, elle va se mettre à porter dans le Shuta Rabim. Donc, on l'interdisait. Par contre, lorsqu'on fait une tresse avec des faux cheveux, étant donné que les deux, le cheveu, il est naturellement dur, donc le cheveu avec lequel on attache et le cheveu naturel, il est plus dur, même si tu les fixes assez fortement, il n'y aura pas de problème de khatitsa, l'eau elle passe entre les deux. Donc elle n'aura pas besoin de retirer ses cheveux pour aller se tremper. De ce fait, elle pourra porter ses cheveux pendant Shabbat, on ne craint pas qu'elle va les retirer machinalement parce qu'elle n'a pas besoin de les retirer, d'accord? La Mishnah précise, Ben Michela, Ben Michel Chaverta, Ben Michel Bema, qu'il s'agisse de cheveux qui viennent d'elle, qu'il s'agisse de cheveux qui viennent d'une autre femme, ou qu'il s'agisse même de cheveux qui viennent d'un animal. C'est-à-dire, peu importe avec quoi elle fait cette petite ficelle en cheveux naturels, ou en poils naturels de queue de cheval, qui plutôt. ouais, peu importe, elle va. Alors la Mishnah me dit, ben, il n'y aura pas de problème, elle pourra faire, étant donné que tous les poils sont assez rigides. Donc l'eau, elle passe entre les deux, il n'y a pas de problème de khatitsa. D'accord? La précision avec l'animal, Bartholomew explique que peut-être que finalement, ça va l'écœurer et puis elle risque de les retirer. Non, la Mishnah me dit non, c'est bon, elle peut sortir avec, ça ne va pas l'écœurer, elle va continuer avec. Ensuite, on continue. Ou betotefet ou besanboutit bisman shel tfurim. C'est la réciproque de la Mishnah qu'on avait vu en haut. Totefet, c'est le diadème. Sanboutim, c'est les petits fils qui descendent du diadème sur le visage, on avait vu. Qu'on peut faire soit des fils en or et argent, soit des fils en fil de couleur, ça décore le visage. Et la Mishnah m'enseigne, eh bien, sache que s'ils sont fixés sur la mitpachat, s'ils sont fixés sur le foulard de la femme, la svacha, ouais d'accord, sur la coiffe de la femme, là, eh bien dans ce cas-là, on n'a plus de problème. C'est-à-dire, le problème, il était que. Peut-être qu'elle va avoir le diadème, qu'elle va sortir dans la rue, elle va le montrer à sa copine. Elle va le retirer machinalement pour le montrer comme il est beau. Mais s'il est fixé à son foulard, eh bien, elle risque plus de le retirer machinalement, parce qu'elle va pas se retirer le foulard en pleine rue. D'accord?
Et la Mishnah continue aussi en disant Bekavul ou Bepea Nochrit Lechatser. Kavul, on avait vu que c'était sous le diadème, pour ne pas qu'il fasse qu'il égratigne le front, alors on mettait un petit tissu joli de couleur. Et des fois aussi, on peut utiliser que ce petit tissu en guise de bijoux, d'ornement du visage. Et Péanochrit, c'est la perruque. Et la Mishnah me dit, sache que dans le Rishut Arabim, tu n'as pas le droit de la porter. Mais dans le Khatser, tu as le droit de la porter. Chachamim, ils ont donné une petite permission quand même pendant Shabbat, dans ta cour, d'être belle et mise en valeur pour Shabbat. C'est permis, ils ont fait une petite permission cette fois-ci, d'accord? Bien que les autres bijoux, donc on n'a pas le droit même de les porter même dans le Khatser, tu peux les mettre chez toi à la maison, mais tu n'as plus le droit de sortir dans ta cour, de peur que tu vas sortir en machine dans le Rishut Arabim. Là, pour cela, on te permet de les porter dans le... on te permet de les porter dans le Khatser. D'accord? Petite précision entre parenthèses par rapport à la perruque. On a donc une Mishnah ici. Une Mishnah ici qui permet explicitement de porter, apparemment, de porter une perruque. Vous savez que c'est un grand sujet dans les poskim. Est-ce qu'une femme a le droit de porter la perruque ou pas? C'est très discuté. Et comment étudier cette Mishnah? Ça part à partir exactement d'ici. Dans Masechet Shabbat, il y a le Shilta Gibril qui parle de ça. Il y a ici plusieurs interprétations qu'ils ont données. D'abord, il y a ceux qui vont étudier, qui en parlent effectivement de sortir avec une vraie perruque. Il n'y a pas de problème. Le problème de la perruque essentiel, il est qu'il y a un problème de maritime. On ne voit pas que la femme a la tête couverte, bien au contraire. Le problème, il est soulevé ici par le Tiferet Israël. Il rapporte sur ça plusieurs réponses. Un premier avis, il y a un avis qui propose qu'en fait, non, on parle qu'elle met des cheveux sous son foulard pour donner un peu plus de volume. Il y a une deuxième réponse qui nous dit, non, en fait, on parle qu'elle va sortir dans la cour, mais dans la cour, pas dans le Rishut Arabim. Dans une cour qui n'est pas tellement fréquentée. Il y a encore une autre réponse qui dit que non, en fait, elle met son foulard, mais au-dessus du foulard, on voit qu'elle prend une natte qui n'est pas naturelle, et qu'elle la tresse, et qu'elle fait quelque chose de joli au-dessus du foulard. C'est pas qu'elle met juste la perruque et qu'elle sort avec... D'accord? C'est les réponses qui sont proposées ici dans le Tiferet Israël. C'est un vaste sujet dans la Halakha. Et on continue maintenant avec Bémor chez Beozna. La Mishnah continue encore en me disant, aussi, elle peut sortir avec un mor chez Ozna. Mor, de manière générale, tout ce qui est du coton ou de la laine moelleuse, molle, ça s'appelle un mor en hébreu. Donc, de manière naturellement, ça éponge les choses. Du coup, la Mishnah l'utilise en me disant, Bémor chez Beozna, avec un mor du coton, on va dire, qu'elle va mettre dans son oreille parce qu'elle a des problèmes d'eau, de liquide. Qui sort de son oreille, donc elle met un mort dedans, on a le droit de sortir avec ça pendant Shabbat, ou bien mort chez Bessamdala, ou encore elle met un mort, elle met quelque chose de moelleux dans sa sandale, pour ne pas que sa sangle lui écorche le pied, elle a le droit de le mettre, ou bien mort chez Kina et Ninota, ou encore un mort qu'elle va mettre dans, parce que si elle a ses règles, et elle ne veut pas que ça salisse ses vêtements, un tampon quoi. D'accord, et la Mishnah nous permet de porter ses morts, puisque c'est pour la protection de la femme, c'est... Le Bartonor ajoute même quelque chose qui est assez discuté, c'est que c'est pour la protection de ses vêtements. C'est assez discuté, est-ce que c'est permis de mettre quelque chose qui va protéger les vêtements? Est-ce que c'est quelque chose qui provient du corps ou pas? Le principe en tout cas il est clair, donc à la femme il y a un grand chidouche relativement, que même si c'est plus très décoratif, franchement quelqu'un qui met des coutons dans son oreille parce qu'il a de la cire qui lui coule, c'est pas tellement joli. Mais malgré tout, puisque c'est pour son propre bien-être, c'est permis et c'est considéré de nouveau comme un vêtement. D'accord. Petite précision encore dans le Bar Tanoura, spécifiquement pour le coton de l'oreille ou le coton des sandales, on craint que ça va tomber, que machinalement tu vas les porter et les porter pendant 4, le porter dans le Rishut Arabim. De ce fait, il précise qu'on parle uniquement qu'ils sont bien enfoncés, qu'ils sont bien fixés sur la chaussure. Et on continue, Bepilpel, Obegargir Melach, Obechol Davar, Shititen et Torpia. Encore, elle a le droit de sortir avec. Pilpel, c'est un grain de poivre. Gargir Melar, c'est un grain de sel. Chol d'avoir chitienne et torpia, ou toute chose qu'elle va mettre dans sa bouche pour contrer la mauvaise haleine. Alors, ils avaient des techniques à l'époque de mettre, au lieu d'avoir une mauvaise haleine, ben, on préférait diffuser une odeur de poivre ou de piment, et ou de sel, je sais pas, ça cassait l'haleine apparemment. Et donc, la Mishnah me dit, ben, sache qu'elle a le droit de sortir avec ça pendant Shabbat, mais attention. Bilbad, shelotitain et chatri la Shabbat. À condition qu'elle ne le mette pas dans la bouche a priori pendant Shabbat. C'est-à-dire, elle le met dans la bouche depuis avant Shabbat, elle le garde dans la bouche dans un coin de sa bouche, elle va sortir avec ensuite.
Mais si elle veut le mettre pendant Shabbat, il n'aura pas le droit de le faire. C'est un interdit, ça, à cause de Nirek et Maharemet. Dans ton tout ça, tu l'expliques. Parce qu'en fait, si elle veut le faire ça pendant Shabbat, alors on va la soupçonner de le mettre dans la bouche, en fait, pas parce qu'elle a besoin de pour son haleine, puisque pourquoi tu ne l'avais pas jusqu'à maintenant? Donc en fait, tu le mets parce qu'en fait, tu as envie de porter dans la rue, tu fais une ruse, en fait, pour pouvoir porter quelque chose qui est interdit, d'accord? Quelque chose que le transporter, j'ai oublié de préciser, transporter quelque chose dans sa bouche pendant Shabbat, c'est interdit, en théorie. C'est-à-dire, si jamais je ne sais pas quoi faire avec ma clé pendant Shabbat, et une fois que j'ai fermé ma maison, je la mets dans la bouche, je transgresse un interdit de porter. Peut-être que Midrabanan, parce que c'est plus de manière conventionnelle, mais il y a quand même un interdit de porter de la sorte. Mais malgré tout, le bijou, la kishout, la décoration, comme ça, l'ornement, la manière de porter, c'est par rapport au grain de sel ou qu'on mettrait dans la bouche, puisque cette fois-ci, c'est pour l'intérêt du corps, c'est comme ça qu'il doit se présenter extérieurement, il n'y a plus d'interdit de le mettre dans la bouche, autant qu'on a le droit de mettre du coton dans les oreilles. Mais donc, la Mishnah me précise, à condition que tu le mettes depuis avant Shabbat. Vehimnafal, l'otarzir, attention aussi, tu l'as mis dans la bouche, mais si toutefois il était sorti de la bouche, tu n'auras plus le droit de le remettre. Ok? Ensuite, Shen Totevet, Veshen Shel Zahav. Un dentier, en hébreu moderne, Shen Totevet, c'est tout simplement un dentier. D'accord? Donc une fausse dent. Ou encore, Shen Shel Zahav, une dent en or. Le Barthonor précise que c'est un. Lorsqu'on a une dent qui est un peu faible, on l'a badigeonné d'or, on la faisait plaquer or, comme ça elle devenait plus costaud, il n'y avait plus les agressions. Il disait non, chez Nishtanemar, une dent qui est devenue noire par exemple, alors on lui mettait dessus de l'or, comme ça on a une belle dent en or. Eh bien Rabbi Matir, Rabbi permet de sortir maintenant avec cette dent dans la rue pendant Shabbat, tandis que, ouais, on parle que la dent noire elle était tombée, puis après il a peigné en or, et puis après il la remettait dessus en fait. Ouais. Donc Rabbi me dit, t'as le droit de sortir avec dans la rue pendant Shabbat, parce qu'on ne craint pas que tu vas te mettre à sortir ta belle dent d'or pour la montrer à ton copain. Il y a des limites, d'accord? Ça y est, c'est moche de se retrouver sans. D'accord? C'est pas propre, c'est pas. Et malgré tout, Vachachamim Osrin, et Chachamim interdisent. Pourquoi ils interdisent cette fois-ci? Le Barthénois nous précise, parce que, étant donné que tu as une dent un peu différente des autres, alors on craint que les gens ils vont se moquer de toi, ils vont dire. T'as mangé de l'or, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont lui dire. En tout cas, ils vont se moquer de lui en lui disant t'as une dent toute bizarre, elle est toute jaune. Et du coup, il va avoir honte, il va l'enlever. Il va pas vouloir la jeter, bien sûr, parce que vous avez les planqués en or. Il va la garder et puis il va se mettre à porter pendant Shabbat. Donc, Rami m'interdise. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.